9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Marius chez vous. C'est un plaisir d'être chez vous en ce moment pour partager ce moment dans cette émission Marius chez vous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Nous en excusons. Nous avons eu des petits soucis techniques, mais aussi pour des raisons de santé. Malheureusement, nous n'avons pas pu être chez vous il y a deux jours. Toutes nos excuses pour cela et nous allons essayer donc de vous tenir compagnie dans cette émission malgré que la santé n'est pas tout à fait en forme. Voilà. Malgré qu'on n'est pas tout à fait en forme, on est content que vous soyez là parce que j'aime bien passer du temps en votre compagnie, où que vous soyez à travers le monde, que vous soyez un habitué de cette émission ou encore vous êtes nouveau à cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons donc que nous allons passer d'agréables moments dans cette émission Marius chez vous, que j'ai le privilège, le plaisir et le bonheur de vous présenter depuis Washington, D.C., la capitale des États-Unis d'Amérique. Vous allez le remarquer. Pas très en forme aujourd'hui, petite grippe, mais ça va aller parce que je suis là avec vous et tout va aller. Alors, vous l'avez vu dans le titre de l'émission d'aujourd'hui, les tout-puissants Caleb Moutand, l'ancien président, l'ancien directeur de l'Agence nationale de renseignement, a été interpellé aujourd'hui à l'aéroport international d'Njili, donc une information qui est rapportée par beaucoup de médias, notamment Jeune Afrique. Nous en parlerons dans cette émission avec Thierry Kambundi qui sera en direct avec nous de Kinshasa pour essayer de nous dire ce qui s'est réellement passé et aussi comment à Kinshasa cette nouvelle a été apprise. Après, je suis curieux de savoir ce que vous pensez sur cette interpellation. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est fini l'impunité de l'ancien régime? Est-ce que vous pensez que c'est le début de la tolérance zéro de la justice en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est en train de montrer qu'il a réellement les manettes du pouvoir aujourd'hui? Parce que quand on pense à ce grand, le tout-puissant, Caleb Moutonde, il était presque impensable de savoir qu'un jour, ce monsieur, après ce qu'il a été pendant l'époque de Joseph Kabila, pendant 8 ans, a passé à la tête de l'Agence nationale des renseignements, qu'il serait aujourd'hui, qu'il était possible aussitôt de pouvoir l'interpeller et de le questionner. En tout cas, c'est de ça qu'on parlera tout à l'heure avec Thierry Kambundi, qui sera en direct avec nous de Kinshasa. Et puis après Thierry Kambundi, bien sûr, j'aimerais bien vous écouter pour savoir ce que vous pensez de cette interpellation.
parce que vous savez bien que c'est la partie que je préfère le plus, et donc j'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Merci à vous tous hein, de nous suivre encore. Merci d'être là. Vous savez que la meilleure façon aussi de partager, de contribuer à cette émission, c'est de partager la vidéo et d'inviter d'autres amis à venir se joindre à l'émission Marius chez vous. Vous êtes très nombreux également à nous suivre sur Facebook, sur ma page Marius Muhunga, et aussi sur Facebook, sur ma page privée, personnelle. Merci beaucoup à vous tous d'être là et partagez la vidéo pour inviter les amis à venir se joindre à nous. Entre-temps, sans plus tarder, nous allons donc partir à Kinshasa pour essayer de prendre Thierry Kambundi, qui est en direct avec nous pour nous parler donc de comment Kinshasa a réagi à cette interpellation, ou encore comment, enfin, essayer d'analyser ensemble ce que cette interpellation de Caleb Moutonde vous inspire. Alors, Thierry Kambundi est donc en direct avec nous de Kinshasa. Nous allons essayer de le prendre. Thierry, bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tous. Merci beaucoup hein, Thierry d'être encore avec nous en direct à Kinshasa. La nouvelle du jour qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux, c'est l'interpellation du tout-puissant Caleb Moutonde. Alors c'est une information qui a été relayée par beaucoup de médias, notamment Jeune Afrique, qui est ma source. Thierry, c'est quoi, comment à Kinshasa on a appris cette interpellation? Et de diverses manières. J'ai lu quelques communicateurs de son camp politique qui maintenaient encore jusqu'à il y a quelques heures qu'il n'avait pas été arrêté, alors que toutes les sources disaient le contraire. Tous les communicateurs du FCC disaient qu'il n'avait pas été arrêté. Et lui-même, vous avez certainement relayé sa version des faits évoquée par Jeune Afrique, justement, dont je viens de lire l'article. Mais dans tous les cas, selon toutes les sources concordantes qui ont été relayées par la presse tant locale qu'internationale, l'ancien directeur général de l'ANR a été brièvement interpellé à l'aéroport international de N'Djili à son retour de Kinshasa en provenance de l'extérieur. On a dit de l'Ouganda en passant par Addis Abeba. Donc voilà, il y en a beaucoup qui sont satisfaits. Je vois par là où c'est certains anciens prisonniers politiques, les Gécoco, les Francis Kalombo, Gécoco Moulumba, Francis Kalombo. Et dans l'opinion aussi, j'ai lu quelques commentaires en dessous de tous les articles publiés à ce sujet, les gens se montraient plutôt satisfaits hein, que celui qui hier était tout puissant, comme vous l'avez présenté, ou intouchable, aujourd'hui soit obligé d'être soumis à cet exercice auquel il soumettait beaucoup de gens lorsqu'il était pendant 8 ans pratiquement, reste numéro 1 de l'ANR. Donc voilà, les réactions sont partagées, mais globalement, les gens sont plutôt satisfaits que cela lui soit arrivé à lui aussi, qui faisait partie encore il y a quelques mois des intouchables du régime Kabila. Voilà, alors quand on voit ce genre d'interpellation, justement, c'était presque impensable, comme tu viens de le dire. En tout cas, selon les informations que nous avons, il a été interpellé simplement parce qu'il voyageait avec un passeport diplomatique, se faisant passer, ou un passeport diplomatique qu'il aurait acquis étant conseiller du Premier ministre, Monsieur Ilunga Ilunkamba. Alors que jusque-là, il n'y a pas encore un cabinet officiel du Premier ministre, le décret se faisant toujours à attendre. Donc, alors, pourquoi les gens sont, beaucoup de gens sont contents, les gens sont satisfaits. Est-ce qu'on peut voir, Thierry, à travers cette arrestation, le signe de finalement de la fin de cet état où régnait l'impunité, où c'est un signal du régime de Félix Tshisekedi? Absolument, Marius. Je ne vous le fais pas dire, parce que on sent à travers cette succession des faits hein, que voilà que le régime a vraiment basculé de l'autre côté, qu'ils ont perdu le contrôle, ou que voilà, c'est un nouveau patron qui est à la tête de l'État et qui veut, à travers ses services, affirmer son autorité.
Voilà, c'est vrai que la satisfaction des gens n'était pas parce que, n'était pas, on va dire, parce que Caleb Mouton devait passer cette nuit en prison. Non, c'est au niveau de la symbolique de ce geste. Il y a encore quelques semaines, on parlait d'Emmanuel Ramadan Ishadari, de Marcelin Tshisambo, qui ont été recalés parce que détenant un document. Détenant des passeports diplomatiques avec des titres qu'il n'occupe, qu'il n'assume plus depuis plusieurs années maintenant. On a également évoqué, jeune Africain a également évoqué l'affaire Jeannette Kabila. Elle est vraie, elle est fausse, mais dans tous les cas, elle a eu le mérite d'être évoquée par la presse. Aujourd'hui, c'est Kalev Moutonde. Alors, quand on voit la succession de faits avec des personnalités de la ceinture très très rapprochée du président de la République, ça ne peut pas ne pas signifier quelque chose. Voilà, c'est des signes justement qui prouvent que voilà, c'est un nouveau régime qui arrive et que voilà, vous devez descendre de votre piédestal. En tout cas, ça fait partie des lectures hein, Alors, qu'on peut faire de si on peut cela. faire cette lecture-là, Thierry Kamboundi, est-ce qu'il y a moyen de lier ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à des déclarations du président de la République? Marius Munga, je me rappelle qu'à une des étapes de cette dernière tournée, le président de la République, je ne sais pas si c'était en Belgique ou encore en France ou en Allemagne, on lui a posé la question de savoir comment. Je crois que c'était au Vatican. Je crois que c'était au Vatican. On lui a posé la question de savoir comment se passait un peu le mariage avec Kabila ou comment évoluait la coalition entre le FCC et Cash. Le président de la République a dit que tout allait bien, que sur les principes, ils étaient d'accord, que le gouvernement venait d'être mis en place, que ça se passe plutôt bien, même si, et ça il a reconnu, l'interview est disponible, des problèmes de temps en temps pouvaient subvenir. Et il a lâché une phrase dont je me suis rappelé après cette histoire de Kalev, même celle de Chadari et de Tshisambo, il a dit, il est difficile pour certains princes du régime d'hier, de comprendre que les choses ont changé. Ça leur prendra peut-être un peu de temps pour comprendre que ce n'est plus eux qui sont au pouvoir et que voilà, hein, le pouvoir a changé de main. Cette phrase-là veut dire beaucoup de choses, surtout venant du chef de l'État. Donc voilà, si, mis dans ce contexte, on peut se dire clairement que ce sont des signes que le président est en train de donner aux intouchables, entre guillemets, du régime d'hier pour dire que voilà, vous pouvez être interpellé, vous pouvez être soumis au même exercice auquel vous soumettiez des gens hier parce qu'ils ont fait pire hier, parlant de Calais par exemple, et que donc, voilà. Aujourd'hui, l'état des droits, c'est aussi cela. L'état des droits, c'est aussi interpeller quelqu'un lorsque le service estime qu'il ne détient pas un document qui doit être le sien, lorsque le service estime qu'il doit absolument passer par un contrôle scrupuleux de ce document, lorsque le régime ou le service estime qu'on doit savoir pourquoi vous sortez, où vous allez, d'où vous venez, etc. Déjà, cet exercice-là, au niveau de la symbolique, veut dire beaucoup de choses. Et je pense que c'est un signal fort que le régime actuel est en train de donner à certains caciques, à certains lieutenants de Kabila. Alors, un signal fort, alors qu'en même temps, on sait que les relations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi vont bon train. En tout cas, c'est ce que les deux semblent nous dire. Mais connaissant Kalev Mouton, la position qu'il a occupée, c'est quelqu'un qui connaît des secrets d'État et il fait partie des caciques du FCC. Est-ce qu'on peut s'attendre, après cette vague d'interpellation, à une sorte de représailles de la part du FCC? Représailles, je ne sais pas, mais je pense que politiquement, cette série d'interpellations a une signification, Marius. Autant on a dit du côté de Tshisekedi, oui, il veut peut-être s'affirmer, peut-être faire passer un message à certains proches de Joseph Kabila pour dire que c'est maintenant lui le patron, comme il n'a pas arrêté de le répéter ces derniers mois. Autant du côté de Kabila, je ne pense pas que ce message est bien accueilli. Je ne pense pas que ce message soit bien perçu, surtout par rapport au profil des gens qui ont fait l'objet de ces interpellations.
Caleb Moutonde, ce n'est pas rien, ça a été pas. Ça a été, c'est, voilà, je ne veux c'est même Caleb pas. Caleb Moutonde, quoi. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, il suffit de citer son nom pour établir un lien direct avec l'ancien président de la République. Emmanuel Ramazani Shadari a été son dauphin à la dernière présidentielle. Il a été. Et il est jusqu'à aujourd'hui le secrétaire permanent de son parti politique. Donc voilà, ça veut tout dire. Marcelin Tshisambo a été pendant des longues années son conseiller politique. Marcelin Tshisambo a été pendant des longues années le gouverneur de la province du Sud Kivu. Puis il a été rappelé ici pour travailler dans le cabinet du président, de l'ancien président de la République. Donc ce sont des personnes, je ne parle même pas de l'épisode Janet Kabila, vrai ou faux, mais dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont très très proches de la ceinture, la plus rapprochée de Joseph Kabila. Et politiquement, cela a une signification. Alors, Thierry, je suis en train de lire quelques commentaires des amis qui pensent que c'est de la poudre aux yeux, vous rêvez, c'est n'importe quoi, c'est du blablabla, c'est de la distraction. En fait, qu'est-ce que tu penses finalement que, malgré tout ça, Félix Tshisekedi doit prouver pour montrer que effectivement il est en train de faire des choses, parce que finalement, quoi qu'il fasse, beaucoup de Congolais sont toujours pas convaincus. Vous savez, Marius, vous avez tout dit pratiquement. Hein. Félix Tshisekedi, depuis sa prise de fonction, a été obligé, a été contraint de prouver au monde que c'est lui le chef de l'État, que c'est lui qui a les commandes, que c'est lui le nouveau patron de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas évoquer des exemples ici. Il y en a une qui réelle en la matière. Beaucoup ont répété depuis janvier 2019 que c'est Kabila qui dirige, parce qu'il a la majorité partout, parce que c'est lui qui a fait ci, parce que c'est lui qui a fait ça, parce que le fait pour Félix de se retrouver là est c'était plutôt un arrangement qu'autre chose, parce que ceci, parce que cela, parce que son train de vie est resté le même. Bref, vous avez eu à l'écouter, j'ai eu à l'écouter, tous les Congolais ont eu à entendre au quotidien ce genre de commentaires. Je pense que c'est ce qui a aussi contraint le président actuel à s'affirmer tout le temps, à le répéter dans des interviews, des déclarations, des échanges avec la diaspora, que c'est lui le maître du jeu, que c'est lui le nouveau patron, que c'est maintenant lui, etc. Bon, après, pour revenir aux commentaires de certaines personnes, j'ai oublié d'évoquer, lorsque vous m'avez posé la question de savoir comment les gens ont reçu cela à Kinshasa, qu'il y en a aussi qui pensent que c'est de la poudre aux yeux. Mais moi, je voudrais prendre cela je voulais évoquer deux choses ici. D'une part, je l'ai dit, vu le profil des personnes arrêtées, interpellées, dérangées, inquiétées par les services ces derniers temps, c'est un message très fort au plan politique et au plan de la symbolique. C'est pour dire que voilà, monsieur, vous devez redescendre sur terre. Voilà, monsieur, c'est maintenant moi le patron. Voilà, monsieur, les choses ont changé et en tant que citoyen, vous devez vous conformer à certaines règles. Vous n'êtes plus aussi intouchable que vous l'étiez hier. Ça, c'est d'une part. Et politiquement, également, cela a une signification, surtout dans ce contexte un peu de tumulte par rapport à entre le FCC et Cash, tenant compte notamment des derniers propos tenus par le président de la République. Maintenant, pour revenir au bluff évoqué par certaines personnes, ça, c'est le temps qui nous le dira. C'est le temps qui dira si Félix Tshisekedi va garder la main. S'il va maintenir cette pression, bon, on sait que le président a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé, mais ce qu'il est en train de lancer comme alerte et de donner comme message à travers ses services, c'est quelque chose qui, pour des analystes politiques, pour des observateurs de la vie politique au Congo, ne peut pas, ce sont des choses qui ne peuvent pas être passées sous silence, quoi. Cela a une signification, et entre autres, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Donc, il faut faire très attention, mais est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que demain, après-demain, on va retrouver quelques caciques du pouvoir dire, parce qu'ils ont commis des forfaits, être interpellés par la justice, être jetés en prison, etc., et de son camp et du camp du FCC? Ça, c'est le temps qui nous le dira, bien évidemment. Mais Marius, on ne peut pas
ne pas voir dans ce qui se fait aujourd'hui un signal fort du régime Félix Tshisekedi. En tout cas, interrogé par Jeune Afrique, il a tout nié en bloc, qu'il n'a pas été interpellé, qu'il est passé juste dire saluer son ancien adjoint qui est devenu l'actuel directeur de l'ANR. En tout cas, les jours qui viennent nous dirons un peu plus sur ce qui va vraiment se passer. Comme tu as dit, il faut du temps, hein, on va voir, le temps nous le dira si ce qui se passe est sincère et vrai. On va entre-temps essayer de comprendre ce que d'autres Congolais à travers le monde pensent de ces interpellations. Est-ce que c'est un signal fort de Félix Tshisekedi ou c'est de la poudre aux yeux, comme vous êtes nombreux aussi à le penser? C'est ce qu'on saura. Allô, Marius? Oui, allô? Allô, Marius? Oui. En fait, excusez-moi de compléter juste un petit élément. Autant j'avais dit que politiquement, cela a absolument une signification parce que j'évoquais tout à l'heure deux aspects. Le deuxième aspect, c'est le message qu'on lance dans l'opinion. Hein, j'ai essayé de m'expliquer pour lui. Voilà, absolument. Cela, ce message en direction de la population veut dire énormément de choses. Ramazani Shadary, Marcelin Tshisambo, Jeannette Kabila, aujourd'hui Kalev Mutonde, ce message dans l'opinion est une communication très 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 importante pour l'actuel régime au pouvoir, et on ne peut pas le passer sous silence. Alors oui, mais Thierry, nous savons également que parmi les méthodes des services de renseignement, il y a également ce qu'on peut appeler du théâtre. On peut créer une scène pour faire croire. Est-ce que tu penses que ceci ne peut pas être une scène montée juste simplement pour crédibiliser le pouvoir en place ou la justice en place? Bon, après, si Kalev Mutonde ne s'était pas exprimé sur la question, si certains services ou certaines sources à l'aéroport international de Njili n'avaient pas décrit comment la scène s'est déroulée, on pouvait croire à un scénario, à du théâtre. Mais là, c'est quelque chose, c'est une information qui est tombée comme une bombe, et certains médias, notamment celui que nous évoquons aujourd'hui, ont essayé de faire des recoupements, ont interrogé la personne qui a été évoqué, qui est au cœur de cette interpellation, qui a donné sa version des faits. Est-ce qu'on en sait un peu plus de détails sur ça? Non. Pour le moment, on n'en sait pas un peu plus. Vous savez qu'Alev Mutonde, ce n'est pas quelqu'un qui communique à travers les médias, depuis d'ailleurs qu'il occupait les fonctions qu'il occupait à l'ANR. Et récemment d'ailleurs, depuis que Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il a communiqué à deux reprises, et c'était à travers des communiqués, ou à travers des écrits en tout cas. Récemment encore, c'était pour répondre à Augustin Kabuya, et c'était à travers un communiqué. Donc, Jeune Afrique l'a appelé, il a donné sa version des faits. Bon, elle est plausible, elle n'est pas plausible, mais je ne vois pas comment elle va aller voir celui qui était son ancien son adjoint. Ouais. À l'aéroport et dans ce contexte-là. Je pense qu'il y a quand même du vrai dans ce que la plupart des médias ont eu à relayer au sujet de son interpellation. Donc voilà, je suis plutôt proche de l'hypothèse qui a été évoquée. Je suis plutôt proche je suis plutôt prêt à dire que son interpellation est une réalité plutôt qu'un théâtre comme vous l'évoquez. Mmh. Alors, mais tu évoquais tout à l'heure, Thierry, cette sortie médiatique d'Augustin Kabuya qui l'accusait de partir partout où va le président de la République en cachette pour chercher à avoir des informations. Il a répondu en disant que il connaît les secrets d'État. Augustin Kabuya a intérêt à ne pas faire ce genre de déclarations parce que il connaît bien les secrets d'État et que voilà. Et il est bon qu'il se taise. C'était une sorte de menace. Et justement, cette arrestation, comme je l'ai dit tout à l'heure, représailles, même pas du côté de FCC en entier, mais du côté de Kalev Mutonde lui-même. Est-il aussi toujours aussi puissant pour inquiéter? Bon, ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi, parmi les premières décisions qu'il a prises pour redonner, selon ses explications, une nouvelle image des services des renseignements, c'était de fermer les prisons et de virer Kalev Mutonde. Donc voilà. Après, il a remplacé par celui qui était jusqu'ici son adjoint.
Et depuis, je ne veux pas dire que les services de renseignement congolais sont parfaits dans l'exercice de leur métier, qu'ils font parfaitement bien leur travail, mais on en parle quand même Moins moins. en moins, On en en fait quand mal. même une publicité bien meilleure que ce qui était le cas il y a pas longtemps. Mais on est au Congo, vous savez, il y a tellement d'écarts. Récemment encore, on a interpellé, je crois, en Ituri, le porte-parole de la Lamouka, ou le point focal de la Lamouka là-bas, à l'est de la RDC. On a arrêté un journaliste récemment également par des services. Bref, il y a encore du boulot sur ce point, mais l'influence de Kalev comme telle dans les services des renseignements actuels, c'est difficile pour nous de l'établir. Il faut donner la chance, ou enfin donner la possibilité à l'équipe actuelle de faire ses preuves, mais jusqu'ici, en tout cas, tout porte à croire que on est entre, on est ces services sont de plus en plus humanisés, et qu'il y a de moins en moins d'arrestations arbitraires que l'on reprochait au service des renseignements hier. Arrestations arbitraires, torture, meurtre, et tout ce que vous savez, tout ce que nous savons, tout ce qui a été évoqué ces dernières années dans la presse, il y en a de moins en moins. L'influence de Kalev, je ne sais pas, il a rejoint les rangs du FCC, il a exprimé récemment sa fidélité, sa loyauté à Joseph Kabila, mais sa main sur les services comme tel, on ne sait pas le décrire, parce que c'est quelqu'un de discret depuis qu'il a quitté ses fonctions à l'ANR. Thierry Kambundi, merci beaucoup hein, pour cette analyse et surtout pour merci de nous faire savoir ce qui se passe, comment l'opinion au niveau de Kinshasa a réagi par rapport à cette interpellation. Un dernier mot avant de nous quitter, Thierry? Oh, écoutez, je vais conclure comme je l'ai fait la dernière fois. C'est le temps qui aura le mérite de confirmer ou infirmer tout ce que l'on voit aujourd'hui. Hein, il est vrai que cette expérience que nous sommes en train de vivre au sommet de l'État est unique. C'est une grande première pour la République démocratique du Congo. Cette expérience va absolument laisser des traces d'un côté comme de l'autre. Cette expérience ne sera pas parfaite dans son application, son exécution, son déploiement. Il y a déjà des frottements de part et d'autre. On ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas, durant ces 4 prochaines années, ce que la coalition FCC-CACH va faire. Voilà, on a hâte de voir de quoi seront faits les prochains jours, parce que je peux vous promettre que la scène politique est en pleine ébullition, et que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger dans les prochains jours. Tout ce que l'on souhaite, et ça on le répète régulièrement, je pense que c'est le vœu même des Congolais de la diaspora qui nous écoutent en ce moment, c'est que ces politiciens n'oublient pas qu'ils sont là pour le bien du peuple congolais, pour œuvrer pour le développement de la nation. Parce que on ne peut pas encourager que les deux camps se rentrent systématiquement dedans, hein, Marius. Il y en a qui disent oui, coalition, il faut dissoudre, il faut arrêter avec ça, mais il y a des conséquences que peut-être le pays n'aura pas assez de force à supporter. Le plus important est qu'ils essayent d'évoluer ensemble ou de se séparer, quitte à faire bénéficier au peuple congolais ce qu'il attend, parce que le peuple attend du changement, et pour le moment, ce changement dans son assiette tarde à venir. Merci Donc, on ne beaucoup, doit pas se Thierry. tromper de combat. On ne doit pas du tout se tromper de combat. Le combat, c'est d'abord le bien-être du peuple congolais. Pas de conflits, pas de querelles politiciennes. Ouais, merci beaucoup, hein, Thierry. Il y a eu dernièrement, ça c'était juste un fait divers, un grand crocodile de 4 mètres que Joseph Kabila a présenté. C'était quoi la réaction des Quinois par rapport à ça? Bon, enfin, aujourd'hui, il faut dire que tout ce que fait Kabila fait le buzz sur le net, hein. Lui, il en profite, il prend son temps, il aime la nature, parce que j'ai eu à visiter plus d'une fois sa ferme. Il a tout ce qu'il faut en termes de races, d'animaux, etc. Il aime la nature, il en profite pour se promener, pour enrichir son parc animalier, etc. Donc voilà. Mais tout ce qu'il fait, toutes ses sorties sont suivies à la loupe par des Quinois ou par des Congolais, et ça va continuer comme ça, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'expérience unique
et inédite que nous sommes en train de vivre. On n'a jamais vécu dans ce pays la vie après le pouvoir. C'est-à-dire Kabila a quitté le pouvoir aujourd'hui, mais tout le monde se demande comment il vit, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne siège pas au Sénat alors qu'il est sénateur à vie. Voilà, à toutes ces questions-là, on ne peut répondre qu'à travers des teasers comme ça, qu'à travers les quelques éléments qu'il met à la disposition des gens. Certains touristes qui vont visiter son parc, lorsqu'ils vont passer, ils les saluent, ils font des selfies avec lui. Donc voilà, c'est une expérience unique que les Congolais sont en train de vivre et ils la savourent à travers toutes les images liées à l'ancien président de la République. Merci beaucoup Thierry. On te souhaite une bonne soirée à Kinshasa où il doit être tard. Demain tu dois travailler. Merci encore, on te retrouve vendredi. Merci Marius. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était Thierry Kambundi depuis Kinshasa. Maintenant, je suis curieux de vous entendre. Toutes mes excuses, je ne suis pas très très en forme aujourd'hui. J'espère que cela ne vous affecte pas beaucoup. Je vais essayer de ne pas vous affecter cette humeur de ma santé qui ne répond pas tout à fait à 100%. Mais je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette interpellation de Caleb Moutonde à la tête à l'aéroport international d'Ndjili aujourd'hui? Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieux, très très curieux de le savoir. Nous allons prendre donc ce premier appel, le tout premier appel de l'émission qui vient de notre ami de l'Ukraine. Allô? 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 Allô, allô? Oui, allô? Oh, malheureusement. On va prendre quelqu'un d'autre. On va partir en Allemagne. Allô? Allô, Marius, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Carlos, à partir des colonnes. Cher Carlos, on vous écoute. Oui, je suis un peu triste. Tu es malade, là, mais quand même, tu nous sers quand même. Ça, c'est très merci bien. Merci beaucoup. Merci. OK. Bon, pour tout ce qui se passe au pays, je crois que nous, les Congolais, nous sommes pas habitués, comme Thierry Kambundi l'a dit, nous sommes pas habitués à voir toutes ces choses-là. Moi, je crois que les choses bougent. Les choses bougent du côté positif. Donc, je dis ceci, laissons le temps voir la fin de toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Parce que une petite, j'appelle comme ça, une petite dame, DGM interpellé Chadari, ça c'est quelque chose qui était impossible à l'époque, tu vois. Donc on voit tout ça, mais on laisse le temps pour voir ce que ça va donner. Donc pour vous cette interpellation des Caleb Moutonde est un grand signal, comme le pensent beaucoup d'autres observateurs. Oui, un grand signal du président qui veut montrer que les choses ne sont plus comme avant. Qui pouvait imaginer que Caleb peut être interpellé à l'aéroport d'Ndjili? C'était quelque chose d'impossible, tu vois. Donc, ouais. C'est un signal du président. Il veut faire voir que non, maintenant, c'est moi qui dirige. Donc, en tout cas, ça, c'est fini. Pas lui. Hein. Je pense même que c'est la justice. Hein. Lui, il laisse la justice faire son travail. C'est pas lui, voilà, directement. Vous voyez, enfin, même Chadari, depuis qu'on a... Depuis que Chadari Chadari est devenu un peu silencieux, hein, il ne parle plus comme avant. C'est ce qu'on va voir avec des kimonos et tout ça. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Et bonne guérison, Marius. De temps en temps, Koliak à moi Makassou, Koliak à moi Ngadiadia, et ça l'a bien qu'on prend la santé. Merci docteur. En tout cas, Naomeka. Merci beaucoup. Ok, allez, au revoir Marius. Bonne soirée. Ciao. Allô. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Marius Munga, c'est Chris Calongé depuis la France. Monsieur Calongé, Chris, on vous écoute, bienvenue dans Marius chez vous. Merci beaucoup, c'est la troisième fois que j'interviens chez vous, donc merci. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle, bon, Marius, on vous écoute. Concernant les sujets d'aujourd'hui, moi je pense que ce qui se fait actuellement, les interpellations, des brefs interpellations qui se font, c'est juste une façon pour les présidents, ou soit la nouvelle administration, de titiller des faucons de l'ancien régime. C'est pas des interpellations pour les mettre en prison, mais c'est juste un message pour leur dire clairement que non, votre temps est passé. Donc c'est une façon de déstabiliser l'adversaire en face, ou soit de lancer aussi un message dans l'opinion
qui croyaient que non, c'est Kabila qui dirigeait toujours, de leur dire clairement que non, les messieurs, à Tikala, un tigre en papier. Donc, on bouge, on ne les touche pas. Ouais. Allez-y, Marius. Oui, donc, pour vous, c'est juste un signal pour faire passer un message à la population? Évidemment, pas seulement à la population, mais à leur chef et à leur camp, au FCC en général. Au FCC en général. Que non, c'est votre temps est révolu, maintenant, vous obéissez aux lois, aux règles, comme tout le monde. Donc, les temps des grands hommes, des hommes puissants qui passent sans contrôle à l'aéroport, qui ne veulent pas se faire fouiller, laisser les bagages être fouillés par les agents habilités, ces temps-là est révolu. C'est une façon de déstabiliser juste les camps en face. En voilà, tout cas, c'est ce que l'on va voir. C'est ce que Thierry Kambundi vient de nous dire aussi. Le temps nous le dira si ce qui se passe aujourd'hui est un vrai changement ou juste un trompe-l'œil. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonne soirée, Marius. Merci, au revoir. Nous allons partir au Canada pour prendre un autre appel. Allô? Oui, c'est le docteur Mbeki. Je ne suis pas au Canada, je suis aux États-Unis. Docteur, je suis en New Orleans. Excusez-moi. Oui, écoute, à propos de ce qui se passe, on a tendance toujours à voir un grand changement, espérer un grand changement. Au contraire, il faut qu'il y ait un changement lent et puis total. Quand on veut bien, voilà, qu'on arrête telle ou telle autre personne immédiatement, je ne pense pas que ça va aider ce pays. Un pays qui est post-guerre et tout, il faudrait que les choses se fassent d'une façon lente. Donc, moi, je pense qu'il y a du vrai dans tout ça. Et ensuite, attendons, voyons voir. Si ce sont des pièces de théâtre qu'on est en train de jouer, bon, la fin justifie les moyens, on saura tout ça. En Donc, tout cas, pour l'instant, moi, je pense qu'il... Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est des signes encourageants. Vraiment, ce sont des signes encourageants. Il faut qu'on y aille lentement. Il ne faut pas qu'on commence à arrêter tout le monde. Vous voyez, par exemple, en Angola, ce qui se passe, moi, je ne pense pas que ça va aider ce régime-là. Je crois qu'il faut qu'on y aille lentement. Et je toujours, c'est pour le bénéfice des Congolais. Ce sont les Congolais qui vont tirer les dividendes. C'est pour nous. Si ça se passe calmement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de conflit à Kinshasa, tout le monde sera en paix. Je pense qu'il faut qu'on fasse quand même confiance au régime. Pourquoi ne pas intimider d'autres personnes que les personnalités qui étaient au top de ce régime qui vient du régime de Kabila? On pouvait quand même intimider d'autres personnes. Voilà, on a affaire aux caciques de ce régime-là, donc il faut y croire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci pour le temps. Merci à vous. Bonne soirée. Nous allons partir en Ukraine pour prendre cet appel. Allô? Allô? Ah oui, allô? Oh là là, malheureusement, quand vous appelez, sachez que vous êtes tout de suite en direct quand je vous prends. On va prendre cet appel en France. Allô? Oui, bonsoir, Marius. Bonsoir, mon frère. Vous appelez comment? Oui, je m'appelle Léon à partir de la France. On vous écoute, cher Léon. Oui, en fait, je voudrais intervenir à propos de ce qui se passe au pays. Moi, je pense que ce sont des signaux à encourager, en fait. On peut pas dire que non, il faut y aller lentement. Quand le président était quelque peu passif, on se disait que non, il ne fait rien, il est dirigé, c'est un patin, et qu'on sort. Maintenant, quand il commence à frapper, vous dites que non, il faut y aller lentement, tout doucement. Je vois pas la raison pour laquelle ils doivent y aller doucement. Donc, si réellement les messieurs qu'on est en train d'interpeller sont quelque peu impliqués dans les affaires de meurtre consort, ils doivent réellement être sanctionnés pour ça. En tout cas, c'était pas pour le meurtre qu'il a été interpellé. On dit qu'il a été interpellé parce qu'il avait un passeport diplomatique alors qu'il n'avait pas le droit de l'avoir. Et voilà. Ok. Je pense que ça, c'est un travail de routine de l'immigration. Bon, en fait, je veux dire aussi, ces histoires ne se faisaient pas auparavant. Vois un peu ce que je veux dire. Auparavant, ouais, ça ne se faisait pas. Et maintenant, là, qu'il ne sait pas, et puis que ce sont des gens intouchables. Voyez-vous, Chader, l'autre fois, avait connu la même scène auprès d'une jeune fille de 25 ans qui l'a totalement paralysée. Lui qui disait qu'il allait paralyser le pays si on touchait Ayuma. C'est ce que je suis en train de dire. On y va comme ça.
Shadar, il n'a pas encore réagi non plus et il n'a pas encore dit son dernier mot. On va voir ce qui va se passer. Ben, moi, je pense que c'est vraiment un signal dans leur camp. Donc, ils sont en train d'être déstabilisés petit à petit. À petit feu, fait. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Marius. Et bonne guérison à vous aussi. Merci énormément. Nous allons prendre Monsieur Pinto. Bonsoir. Allô, Monsieur Pinto. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, Marius. Bonsoir, Monsieur Pinto. Vous allez bien? Vous m'entendez ou pas? Oui, ça va, merci. Je vous entends très bien. Alors, dites-moi, là, on est sur la théorie, pas des deux bonbons, mais des deux passeports. Puisque, apparemment, on peut se retrouver avec des passeports divers. Alors, sauf erreur de ma part, de ce que j'ai lu, cette interpellation-là, elle n'avait pas sa raison d'être. Puisque moi, de ce que j'ai compris, il a un passeport diplomatique en tant que conseiller à la primature. Puisqu'il semblerait que la primature aurait confirmé qu'il est conseiller, mais que le décret ne serait pas encore sorti. Mais ça, c'est l'information que moi j'ai. Oui, bon, mais si le décret n'est pas encore sorti, ils ne sont pas encore officiellement conseillés, donc ils ne peuvent pas avoir un passeport pour voyager. Voilà, donc il ne peut pas avoir un passeport diplomatique. Mais sauf qu'il était sorti. Hein. Donc quand il est sorti, il est bien sorti avec son passeport diplomatique. Et donc on l'a bien laissé sortir avec ce passeport-là. C'est quoi le problème? Est-ce que vous voulez en venir? Non, mais ça c'est juste pour dire que bon, c'est de la forfanterie. Hein. Ça c'est pour amuser la galerie. Parce que les gens... Parce que même son histoire de conseiller à la primature, il se pourrait qu'ils aient passé 2 heures pour essayer de lui préparer un document par rapport à ça. Bref, juste pour dire ceci, les gens n'attendent pas, oui. C'est votre droit, Monsieur Pinto, oui, de douter ou de... Mais je vais juste savoir, qu'est-ce qui Les gens n'attendent pas... Je vais juste poser une question. Ah pardon, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qui vous fait... Je ne sais pas crier parce que j'ai un peu mal à la tête, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que... Pourquoi certains Congolais voient que ce sont des faits qui parlent, mais à vous entendre parler, vous doutez de ces faits. Qu'est-ce qui vous fait autant douter? Oui, parce qu'en fait, les gens n'attendent pas qu'on interpelle Kalev pour une histoire de passeport diplomatique. C'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'il soit interpellé pour les faits présumés de crimes qu'il aurait commis. C'est ça ce que les gens ils attendent. Sauf qu'à ce niveau-là, je pense que pour le moment, ça ne va pas se faire parce que interpeller Kalev pour les crimes, c'est interpeller le commanditaire présumé, c'est-à-dire l'ex-président de la République. En ce moment, je pense que Fatih n'a pas encore les pleins pouvoirs pour le faire. Donc tout ce qu'ils font là, c'est de la fumée, hein, comme pour Chadari, comme pour tous les autres, là, ces histoires d'interpellation de passeport. C'est de la fumée, tout simplement. Hein. Bon, voilà. Comme il faut bien faire quelque chose, on fait quelque chose. Et ça, moi, j'accroche ça à quoi? J'accroche ça à son dernier passage aux États-Unis, où probablement qu'on lui a demandé de faire quelque chose. Je me fais un petit scénario, là. Il est parti de Washington, on lui a dit, il faut que tu fasses une dissolution. Il est arrivé à Londres, il a dit, je ne veux pas faire la dissolution. Bah, l'oncle Tom s'est énervé un tout petit peu, et puis maintenant, il a besoin de pouvoir montrer quelque chose, et donc on est en train d'assister à ces petites choses-là. Mais franchement, c'est pas là qu'on attend. Moi, que Chadari ou Kalev se baladent avec leur passeport diplomatique, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie à moi? Ça change rien. C'est pas là qu'on attend. On attend des interpellations véritablement sur les vrais problèmes, notamment des crimes qui ont été commis par ces personnes-là. Mais c'est votre droit. Eh bien, c'est intéressant d'entendre notre son de cloche. On va voir ce que d'autres Congolais pensent aussi. Merci beaucoup, hein, monsieur Pinto, pour votre intervention. Merci. Merci. Bonne soirée et puis prompte guérison à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Dites-nous ce que vous pensez, vous, de cette interpellation de monsieur Kalev Mutonde aujourd'hui à l'aéroport international d'Njili. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez de cette interpellation. Est-ce que c'est des signaux? Est-ce que vous n'y croyez pas, comme monsieur Pinto tout à l'heure? Dites-le nous et nous sommes donc
curieux de savoir ce que vous pensez. C'est vrai que je ne vous ai pas, pour les nouveaux, je ne vous ai pas donné le numéro de téléphone, je vais le faire tout à l'heure. Alors, nous allons prendre cet appel qui vient de... je ne vois pas. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Marius. Bonjour, vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle Joseph N. Lokonvumbi. Je vous appelle de Gatineau au Canada. Monsieur Mvumbi, c'est ça, hein, Joseph? Oui, Mvumbi, oui. On vous écoute. Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Et moi, je pense que le gouvernement du présent a un peu une faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? Quand nous avons vu le gouvernement de Mobutu était tombé, on n'a jamais appris qu'il y a eu un ancien membre du gouvernement de Mobutu qui voulait sortir avec un passeport diplomatique. Est-ce que vous me suivez? Je vous écoute. Oui. Alors maintenant, l'ancien gouvernement de Kabila, comme ce sont des partenaires, ils veulent tester la pression du gouvernement de Félix, voir s'ils sont capables d'affronter la pression des kabylistes. Donc, qu'est-ce que moi je voudrais proposer, par exemple? Maintenant, on vient d'interpeller déjà deux fois des gens de Kabila et que maintenant, ils sont en train de tenter toujours. Maintenant, si on attrape encore un troisième groupe, à ce temps-là, on ne doit pas avoir pitié. On arrête, on le fout en prison sans pitié. Ok, vous parlez là du futur, mais qu'est-ce que vous lisez de ces interpellations? Est-ce que vous, comme les autres, vous pensez que c'est des signaux forts qui montrent que le pouvoir a réellement changé, ou vous doutez comme M. Pinto tout à l'heure? Non, ce sont des signaux forts que le pouvoir a changé, parce que nous avons Félix qui est le président. Vouloir ou pas, je sais que même si les gens peuvent dire que Félix a été nommé, Félix a eu un mauvais pouvoir, mais mon frère, nous tous, nous sommes des Congolais. Nous devons être sincères à nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul président au Congo. Oui, donc il n'y a qu'un seul président. Je vous remercie, monsieur Mvumbi. On va donner la parole à d'autres amis qui veulent nous appeler. Je vous souhaite une bonne soirée au Canada. Merci. Ok, merci. Nous allons partir en Afrique. Il s'agit de quel pays, là? Bonsoir, Marius. Bonsoir. Oui, allô? C'est... Oui. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Bonsoir, Marius. C'est Noko qui vous appelle depuis Bujumbura, le Burundi. Ah, du Burundi. Noko, on vous écoute. Merci de nous appeler du Burundi. Ça fait plaisir de recevoir un appel de l'Afrique. Ah oui, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé parce que je voulais un peu voir l'évolution de la chose. Ok. Alors, maintenant que vous avez vu l'évolution de la chose... On vous écoute. Ah oui. Et là, je vais parler en tant que vu de l'extérieur, comment nous voyons le Congo. Mm-hmm. Et surtout que nous savons qu'il y a une partie, dans les temps, le Burundi a participé dans la libération du Congo. Et nous, vu de l'extérieur, il y a des choses qu'on voit qui nous étonnent. On se demande, je dis bien, on se demande pourquoi les Congolais veulent mettre le pays en feu et en sang. On ne comprend pas. Parce que vous êtes de l'Est, Marius. Vous savez tout ce qui s'était passé là-bas. Et aujourd'hui, vous avez un président qui est un peu crédible. Crédible pourquoi? Parce qu'au moins, vous pouvez retracer. Quand vous dites « je suis de l'Est », ça veut dire? Non, à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est là Congolais, où il y a eu tout beaucoup... Court. Non. Ah, je dis par rapport aux atrocités faites. Oui, je suis congolais. Oui, par rapport aux... Non, je sais que vous êtes congolais, tout court, mais il y a des réalités qui se sont passées à l'est du pays qui n'a mm-hmm. pas, qui ne s'est pas fait partout dans les pays. Mm-hmm. C'est ce que je vais dire. OK. En fait, maintenant, vous avez un président crédible. Crédible, c'est-à-dire quelqu'un que vous pouvez retracer. Donc, père, grand-père, grand-mère, vous pouvez.
Le Congo vient d'être dirigé par un régime que moi, je ne peux pas juger vu de l'extérieur, mais pendant 18 ans. Et vous savez, je ne sais pas si vous voyez la délicatesse qu'il y a là. Il y a les contrôles sur l'armée, les contrôles dans l'administration, les contrôles dans les entreprises, les contrôles sur tout. Et vous croyez que le gouvernement en place maintenant peut démanteler tout cela dans une année? Soyons sérieux. Il y a un processus qu'il faut suivre. Il faut aller lentement. Parce qu'il y a des gens, sans te mentir, ils n'ont pas besoin de tout cela. Et d'abord, ils veulent avoir du travail, avoir ceci, avoir cela. Il y a les militaires qui veulent d'abord être payés. Et il faut d'abord créer la confiance. Parce qu'on peut avoir le pouvoir, mais aussi il faut avoir la puissance. Et la puissance, c'est l'armée. C'est là, je pense que c'est, vu de l'extérieur, je pense que c'est ce que votre président est en train de faire d'abord. Donc, vous êtes pas congolais, n'est-ce pas? Non, je suis burundais. Ah, d'accord, excusez-moi, je pensais que vous étiez congolais. Je m'excuse. Non! Non, mais c'est bien hein, d'entendre un point de vue de notre frère africain pour voir comment il nous voit de l'extérieur. Ouais, c'est très intéressant. Oui. Ouais. De l'extérieur, on voit que votre président ne pas aller à la confrontation, parce que la confrontation, ça mène toujours des explosions. Mmh. Et je peux vous dire, nous avons passé par là. On a eu un régime qui a été là depuis 1972 ou 72, comme disent nos amis les Congolais. Ils ont été là. Et il ne faut pas aller à la confrontation d'abord, parce que vous avez un président, quand il sort, il a toujours une mainmise, surtout dans l'armée. Et là, il faut faire très attention. Je pense que c'est ce que le président Félix est en train de faire d'abord. Parce que dans une année, vous ne pouvez pas démanteler quelque chose qui a été fait pendant 18 ans. Et surtout dans les domaines militaires. C'est pas... Merci, cher Léon, pour votre appel. Appelez-nous souvent, ça nous fait plaisir. On va prendre un autre appel. Merci de cet appel. Noko. Oui. Noko. Ok. Noko. Merci, Bajumbura. Merci, bye bye. Alors, on va prendre un appel de la France. Allô? Allô? Malheureusement, notre ami est parti. C'est dommage. On va prendre notre appel de la Belgique. Allô? Oui, allô, bonsoir. Je suis Gisèle Jeanne. En fait, moi, j'ai une autre... Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marius. Vous appelez comment, madame? J'appelle de la Belgique. Je m'appelle Gisèle Chald. Gisèle Chand. Chal. Chal. On vous écoute, madame Chal, Gisèle. En fait, moi, mon opinion, c'est que, en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, pour moi, hein, ça, c'est mon avis. Hein. Tout ce que vous allez dire ici vous engage. C'est ce que je vois. C'est que vous. Voilà, ça n'engage que moi. Ouais, ça n'engage que vous. De toute façon, qu'on arrête Kalev. Kalev, il est de... FCC. Les gens au pouvoir, bon, la présidence est à Akash, ils sont alliés. Pff, ça veut rien dire. En fait, c'est un petit jeu. Attrape-moi, je t'attrape, viens ici et tout, voilà, tout simplement. Parce que je trouve ça, c'est même. Allez, c'est dans un pays réglo, un pays logique, une façon de parler, un pays de droit, ça ne devrait même pas nous impressionner, ces genres d'histoires. Tu n'es pas aux affaires. Comment peux-tu avoir un passeport diplomatique puisque mais tu justement, n'as, tu mais justement, plus c'est pour ça qu'on l'a interpellé. Voilà, c'est normal. Pour moi, je trouve ça. D'ailleurs, on est en train de mettre des pétales là où il ne faut pas en mettre. Parce que c'est logique. C'est vraiment logique. C'est quelque chose de sensé. Tu n'es mais pas quand... diplomate, donc tu n'utilises pas ton passeport diplomatique. Vous n'êtes plus aux affaires. Tu n'occupes aucune, tu n'as pas de fonction, donc tu n'as pas besoin de ça, donc tu es déjà tu enfreins la loi. C'est logique qu'on l'arrête. Moi, je ne vois pas dans quoi ça nous avance. Entre temps, il y a des gens qui meurent à l'est du Congo. Entre temps, il y a aussi des gens qui détournent de l'argent, des millions et des millions. Ces gens-là, ils sont libres. Libres. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais arrêtons un peu de. Et puis, moi, ce qui est aberrant dans cette histoire, c'est que
nous, les gens qui habitons à l'extérieur du pays, ce n'est pas des choses qui devraient vraiment nous étonner, parce qu'on connaît la loi est dure, mais c'est la loi. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Moi, je ne vois pas en quoi ça nous avance. Ces gens-là, ce sont des Congolais, tout comme un autre citoyen qui vend au marché, c'est aussi un Congolais. Donc, ils ont enfreint la loi. Donc, on doit t'arrêter, on doit t'interpeller. Je ne vois pas en quoi ça nous avance. Il y a des alliances entre les deux. Et dernièrement, monsieur le président, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne va pas s'en séparer. Ce sont ses alliés. Donc, quand il les arrête, c'est juste pour nous dire, voilà, je peux les arrêter parce qu'il y a des panneaux à Kinshasa où on dit, ouais, moi, je ne suis pas une marionnette, je ne sais pas quoi, des débilités. En fait, je ne vois pas en quoi ça nous avance, cette histoire de ces maîtres-là. Comment ça, il a enfreint la loi, il faut qu'on l'arrête, tout simplement. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vois pas en quoi c'est extra, quoi. Alors, oui, madame, mais quand je vous écoute bien, j'ai un peu mal à la tête. Ça me dérange un peu de bien réfléchir. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous contredisez. Vous dites qu'ils ont enfreint la loi, il faut qu'on les arrête. Il faut qu'on les arrête. On les arrête. Vous dites, mais et puis quoi encore? C'est normal qu'on les arrête. Oui, parce qu'ils ont enfreint la loi. Ce sont des gens... Ce sont des gens qui étaient là... Ils sont pas aux affaires. Ils sont pas aux affaires. C'est des simples citoyens. Après, vous... Pour l'instant, quoi. Avant, peut-être qu'ils avaient des... Vous dites qu'ils font semblant. Ils font semblant. Donc, du coup, voilà, j'ai l'impression que vous vous contredisez. Mais on vous a quand même écouté, madame. En fait, c'est peut-être parce que je pense, c'est dans mon esprit. Hein, mais le truc, c'est qu'ils sont ensemble. Ça, c'est juste un petit semblant parce qu'ils vont se voir. Après, ils vont se parler. Voilà, on fait ça pour... voilà. Ils sont potes. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'avoir une dame dans cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée en Belgique. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On va continuer, on va prendre cet autre appel. Allô? Allô? Allô, allô? Oh là là, malheureusement, notre ami est parti. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, je suis Clément à partir d'Italie. Clément à partir d'Italie, on vous écoute, monsieur Clément. Oui, moi je voulais dire à propos de Kalev. Moi je trouve que ce sont des scénarios inutiles qui font que la distraction à la population. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Et ce sont des procédures normales quand quelqu'un voyage, se déplace avec un passeport diplomatique pendant qu'il ne l'est plus. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce que nous attendons de notre président, ce n'est pas ça. Il y a les points cardinaux où toutes choses doivent commencer, c'est la corruption. C'est la corruption qui a fait si qu'aujourd'hui nous nous trouvons en Italie, ou quelqu'un se trouve en France, aux États-Unis et ailleurs. Parce que les Congo ne manquent rien. Mais ce qu'il a vraiment, c'est la corruption. Et jusqu'à quand on n'arrive pas à trouver des solutions avec la corruption congolaise, le pays n'avancera pas. Il peut même continuer à collaborer avec Kabila. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est la corruption. C'est là où il doit commencer à travailler. Et travailler concrètement pour l'intérêt de la population. Mais jusqu'à quand, il ne saura pas comprendre que en travaillant, en éliminant la corruption sur tous les niveaux, puisque la corruption au Congo, c'est partout. C'est partout. Tu peux aller même chercher de faire quelque chose au pays. Oui, il y en a quelqu'un. Mais pour faire quelque chose, tu dois faire la corruption. Et sans la corruption, ça ne marche rien. On va te compliquer de gauche à droite. Donc ce qui s'est passé, ce n'est pas important qu'ils s'attaquent d'abord à la corruption, c'est ça? Pour moi, c'est la corruption. C'est avant tout, on doit commencer avec la corruption. Merci Éliminer beaucoup. La corruption petit à petit et comme ça, le pays va avancer. Entre-temps, les gens peuvent continuer à voyager avec des passeports diplomatiques même s'ils n'en ont pas de droit. Mais non, je ne dis pas que les gens peuvent voyager sans un titre qui lui ait des droits. Okay. Mais pour comprendre que le président veut vraiment faire quelque chose et qu'il a vraiment la volonté de faire quelque chose, il doit nous démontrer comment il veut éradiquer la corruption au pays. Parce qu'il y a des corruptions de milliards. Merci beaucoup pour votre appel depuis l'Italie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci pareillement à vous. Merci, au revoir.
Nous allons continuer encore quelques appels avant de nous dire au revoir dans cette émission, l'émission d'aujourd'hui. Nous allons prendre un autre appel. Allô? 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 Voilà. Petit souci de connexion. Dommage. Allô? Allô? Oui, oui, allô, bonsoir à son excellence Marius. Papa Oleko. Papa Oleko, ok, Nam. Oui, oui, Nazali, Ndengo Lobaki Ketoti Kelabao Yobasika, Ndenazo Zela. Mais l'élo na lobi na tikeli bango mwa ta mingi. Na loba mwa mouke. Papa Oleko. Oui. On manque biso fort. Oui, oui, son excellent. On manque biso mingi. Mingi. Oh. Si mais na sepeli koyoka, na sepeli koyoka maloba wana, epana yo. Ouais. Ngape na make yo, mais... na respecté parole na yo. Olobito tike na baninga babenga nanu. Papa Oleko. Oui. Na moni ndenge na lobaka na mwasi ya ndeko na biso Laurent, kaza femme de fer. Yo faut la fin tout la maman faut za zo ma kasia. Sûrement, aux azous, on m'a cassé. Bah, ici, on tique la vache à l'eau. Bon ami, au lobby. Bon ami, au lobby, boy. Na lobby, boy, po. Na ici, on tique la vache à si, comme au colombo, au racalé. Aussi, ligue, ok, na yo, ti. Au zon, il y a un deux mois après. Faut la tout la maman. Sûrement, aux azous, on m'a cassé. Non. Non, na si, liquide. Parce que nga na zam ou tu y a principe. Net yo. Soki moninga lobito telema wana kotelema ti place moko na monike savane na zongi ezali te kokima na mama fona tuna mama na kotuna mama so zazua comme so passe ngai na tuna e na kokima Congo jamais te ozali elili ya Congo merci na kota na moi distraction yoto ebimili susu malali loko ya liboso na yebisa yo ezali parce que na zwa kayo na privé okoki ko excuse ngai po na pesa moi remarque na ngamke tango sala ka générique na ona ndenge ozali tozo mona maison blanche. Et attaque pédagogue, bao yo ba mona na nou maison blanche te bazo ta la yote, bao ta la maison blanche. Et ko zala malamu ko tie la biso ata building moko to zala kanango na boulevard wana, nde e ko pesa malamu. Et pa nangana drapo eza simana yo wana eza États-Unis. Biso États-Unis ba sala promotion na bango biso to sala promotion ya Congo ata kuna na Kayemba ndo tie dessin ya Kayemba kuna ekope sanga malamu. Donc na yoki o papa zongel... merci mingi merci merci ngai soki na zwa ka na privé na kopesa yo ba moi conseil mke na zala kanango yo loko oyo na lingi na zongela eloko na lingina zonge na mbangu pona président. Voilà, merci. Pona président na biso. Nga na yebisa kabatu mingi, nazo yo ke la président na biso mawa mingi parce que makambo azana ango soki ba pesi yo na ndenge oyo biso tozali okukima pe opakati mbangu. Eloko ya mibale. Ba distraction wane ko si la nyon so tango président ko zonge la biso peuple. Na lo bakango me ako zonga. Eloko ya mi balé. Me azo ou me la? Pardon? Po banda lo ba ko zonga ti le lo. Azo ou me la, azo zonga te? Azo ou me la te. Donc azo prepare po a sauté. Tope sa. Aye moi ta ako sauté ako zonga. Ok. Naza sûr et certain à cause de la peuple.
Mais loko na zo lingata ya kozonge la biso soke etikali une année. Loko ya mi bale, omoni bato yo basala na service secret wana, na zo yebisa yo son excellence, bazali na ba passeport ata 5, 4, chacun d'entre eux. Na ba ministre wana ozo mona wana. Loko ya kokakwa, mais se kalem, azo kende wapi na passeport diplomatique na aéroport ya Njili. Parce que akoke kobima, place mou. Sousou. Donc, ezali eloko ya kotuna. Et tango ba etre, interpelle ye. Et souki wapi. Donc, ezaba question toko ki kotuna. Ezate ke ba interpelle ye. Nde bimi, si koyo biso toko mi ko diskute. To ye, suite nango esali nini. Est-ce que ba komela ka bangol ba letre ba zongi sa ba passeport wana. Et ba zongi site. Et ce qui a fait étrangère a commis l'être, bazongi sa passeport, moutoua zongi cité, bazouaka be yanoya, yakotpe sa bango, ndenge nini. Tout ça, il faut tout tourner, parce que bazana ba passeport wana, est-ce que basenga ki bazongi sa, baboyi, ba tie bango la justice, parce que tout le bêta de droit. Mais biso tozo mon a théâtre, pito aloba ki angweza ba théâtre ou distraction. Pour la biso ba congolais to la muka esa distraction batwana kaleva za puissant jusqu'aujourd'hui muto akosa binote donc eloko wana de na ligiki na batis parce que na yoki na tikeli pe batu ebele ba loba ngakolo de na ye na loba oyo na yoki lelo. Merci papa Oleko. Manka ki biso mingi. Merci le rôle zongel biso. Na benga on a un numéro na yo. Merci mingi. Yebisa bandeko ba biso nyonso na zongi na zali toko continuer lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa Oleko. Voilà, ça fait plaisir d'entendre papa Oleko. On va partir en France pour prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Je suis chez Mario chez vous. Oui, vous êtes en direct, mais vous allez vous entendre après. Il y a un retard entre la télé ou l'ordinateur et le téléphone. Vous appelez comment ? Ah, d'accord. Ouais, je m'appelle Rémi. J'appelle de France. Vous appelez comment ? Rémi. Rémi, on vous écoute, cher Rémi. Oui, en fait, je voulais aussi intervenir parce que j'ai suivi aussi les autres Congolais qui ont intervenu. C'était bien. Mais mon point de vue, c'était juste pour essayer, je ne sais pas si je peux appeler ça un conseil que je suis en train de donner au président ou au gouvernement. Parce que la manière dont il procède pour interpeller Kalev et tout, consort les gens de FCC, je suis pas bon. Je dirais pas que je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Mais bon, non, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que les gens là, ils nous ont fait tant de mal. Mais il y a la manière dont eux ils procèdent. C'est pas trop bien. Quelle parce manière que moi, je pense que c'est quoi la manière. Non, la manière. Non, la manière. Ils attendent que ces gens là passent à l'aéroport. Pour que eux qui puissent interpeller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Tandis que le président nous a dit qu'il va instaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État. Mais quand vous avez un passeport, le passeport c'est fait pour voyager. Vous pouvez avoir un faux passeport et le garder chez vous. Mais la seule façon pour l'État de savoir que vous avez un passeport, qu'il est bon, valable ou pas, c'est de vous rendre à l'aéroport pour sortir du pays. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, oui, j'ai compris, mais si vous vous rappelez, si on passe par rapport à l'histoire de Moïse Katoum, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait un passeport, mais son nom, son passeport a été ils ont enlevé, je ne sais pas à l'époque, ils avaient, le passeport était valide, mais ils ont invalidé son passeport
quand il voulait voyager en Belgique, on l'a arrêté à cause de ça. Parce que le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, ils avaient invalidé son passeport. Donc, le pays, comme ils sont là, le ministère des Affaires étrangères, au moins, ils ont la liste, même des gens de l'ancienne époque qui ont travaillé. Ils savent combien de nombres, le nombre de passeports diplomatiques que le Congo possède, même pour les anciens, les membres. C'est que vous leur reprochez ce qu'ils auraient dû l'interpeller à la maison, de remettre ce passeport au lieu d'attendre qu'il vienne à l'aéroport. C'est ça? Mais oui, ils vont donner le ministère ou je sais pas de l'affaires étrangères, ils peuvent donner l'ultimatum pendant un délai que tout le monde qui travaille plus dans le gouvernement de rendre. Et c'est lui qui ne rend pas. Et quand vous allez l'arrêter pour les juger. Ce n'est pas comme là, comme ça se passe là, comme voilà. Après, les gens vont dire que non, c'est des aventures, quoi. Les aventures. Donc, vous l'arrêtez, vous le relâchez, et c'est pas bon. Et puis, on n'en sait rien d'autre. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Marius. Merci. Nous allons repartir en Afrique pour prendre cet appel. Allô? Allô? Ouais, je sais, l'Afrique, la connexion n'est pas toujours bonne. On va partir en France pour prendre Monsieur Julio. Monsieur Julio, bonsoir. Bonsoir, Marius. Je salue aussi tous ceux qui sont passés avant, Papa Oleko, Pinto et tout ce monde. Et Monsieur du Burundi, surtout aussi pour son analyse. Hein. Intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Comment ça va sur notre mur, Monsieur Julio? Sur notre mur, nous étions envahis un certain moment oui. Mais bon, après, comme d'hab, j'ai essayé d'éliminer. Et voilà, là, c'est bien. Ça, c'est propre. Ça s'avance bien. Ouais. Heureusement que vous étiez là. Ces gens-là, bon, en fait, c'est un système, ils contrôlent hein, le nombre de gens là, en live. Et si c'est un nombre élevé, alors ils commencent à injecter leur virus, quoi. Leur pub, quelque chose comme ça, alors, voilà. Ouais. Mais bon, après, je bloque carrément directement, et puis bon, là, ça passe. Hein. C'est bon. Donc, je salue tout le monde, et merci pour le courage. L'enfant mystique toujours là. Sandra Lifino, comment elle va? Et puis, elle va très bien, elle est toujours active. La crevette Moula également. Emmanuel Moula, ils sont tous là, quoi. Ah, donc, ça me fait plaisir de le voir vraiment, voyager dans notre nuage, quoi, le nuage de notre mur, voilà. On va leur chercher des prix, Sandra Lifino, l'enfant mystique, on va leur chercher des prix dans cette émission. C'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Monsieur Julio, de cette interpellation de Monsieur Delaner? Marius, je crois que pour moi, le plus important, c'est ce que je pensais, c'est de procéder, de trouver une solution pour éliminer ça à la source. C'est-à-dire, je crois qu'il fallait qu'on notifie, au lieu d'attendre des moments opportuns, il serait important ou très plus intéressant de notifier tous ces gens-là, non, n'est-ce pas, de les notifier et les demander à remettre leur passeport diplomatique. Vous êtes d'accord avec la personne qui vient d'appeler tout à l'heure? Donc, devrait quand même les notifier. C'est pas juste de laisser les gens se promener comme ça avec leur passeport. Avec, monsieur tout avec à l'heure l'a dit. Avec le passeport diplomatique. Oui. Voilà. Vous pensez que c'est pas juste ce qu'on a fait à monsieur Kalev? Bien sûr que c'est juste. Pourquoi c'est pas juste? S'il n'est plus du service. Comme ça, il sait qu'il n'a pas à voyager avec ce passeport. Ça, c'est vrai. Mais lui-même, conscient qu'il est, il peut aussi, s'il était, bon, j'assume qu'il est responsable, il devrait normalement éviter de voyager avec ce passeport-là parce qu'il n'assume plus cette fonction-là, pour le moment du moins. Donc, aussi longtemps qu'il n'assume plus la fonction, consciemment, il pouvait l'éviter. Voilà. Donc, s'il l'a fait, mais c'est quelque chose qu'il pouvait éviter. C'est risque et péril. Merci beaucoup, Monsieur Julio. Autre chose? Ah non, c'est tout pour le moment. Merci. Merci
Depuis que j'apprends l'anglais, je te dis, il y a des mots qui commencent à partir. Say it in English then. Thank you for keeping our thing safe or clean. Oh, clean that. Okay. Thank you for keeping it clean. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Comment tu dis merci de le garder propre. Thank you. Voilà, notre mur. Ouais. Merci monsieur Julio, bonne Allez. Soirée. On va prendre merci. On va prendre l'avant-dernier appel de l'émission. Allô. Ça c'est l'appel qui vient de l'Afrique qui passe difficilement. On va partir en Allemagne pour prendre l'avant-dernier appel. Allô. Bonsoir Marius. Bonsoir. Ce monsieur Jean Chrysostome. Oh monsieur Chrysostome, comment vous allez? Je vais très bien. Tout à l'heure, vous aviez refusé qu'on dise que vous êtes de l'Est. C'est à cause de ces noms-là qu'on confond souvent Muhunga et Munga. Donc, c'est quelqu'un de Bujumbura qui est trop proche. Je refuse simplement qu'on me catégorise. Surtout pour le travail que je fais. Surtout pour le travail que je fais. Je refuse de revendiquer d'où je suis. Si on est en privé, on peut parler vraiment de d'où je suis. Ce n'est pas un secret pour ceux qui savent. Mais je ne voulais simplement pas être catégorisé. Ni de l'Est, ni du Sud, ni de l'Ouest, ni de... Voilà. C'est comme ça, on se sent beaucoup plus connecté. Mais l'autre jour, vous aviez dit que vous étiez de Kaemba. Oui. Donc, vous êtes catégorisé. Sauf si c'est vraiment important. J'étais en train de donner un exemple. Oui, c'est important. D'accord. Marius, c'est important. Oui. Oui. Et la question que je me pose, qui vous dit que Kalev n'a pas le droit d'avoir un passeport diplomatique? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Je pense que le fait... C'est la question que je me pose. Puisque Kalev, c'est d'abord un fonctionnaire de l'État qui a commencé un cursus normal jusqu'à devenir directeur général de l'Agence nationale de renseignement. Donc, même si aujourd'hui on l'a changé, il garde toujours son titre de directeur. Et pourquoi, pourquoi pensez-vous alors que le passeport diplomatique soit la raison pour laquelle il a été interpellé? Donc, d'abord, je ne crois pas. Mais ça, ce sont les informations sûres, vérifiables que nous avons de nos sources. C'est pour ça qu'il a été interpellé. Marius, oui. Ça fait seulement presque 6 mois seulement, que 6 ou 7 mois que Kalev n'est plus le chef de service de sécurité. Et le service de sécurité, c'est comme un loge mystique. C'est comme un loge mystique. Donc, l'architecture actuelle des services de sécurité de la République démocratique du Congo, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est l'œuvre de Kalev. Et tu vois directement, Kalev se retrouve à l'aéroport, il sort, il revient, on l'arrête et puis on le relâche. Et vous trouvez ça que c'est vraiment innocent? Qu'est-ce qui se cache? Si c'était pour le passeport, pourquoi on ne l'a pas gardé? Qu'est-ce qui, selon vous, se cache derrière? Il ne faut pas être naïf. Les services de sécurité, c'est comme un loge mystique. Et lui a atteint. Vous voyez, par exemple, quand Gwanda parle à l'extérieur, il vous donne toujours ses sources où? C'est le service qu'il avait laissé sur place. Et toutes ces personnes qui sont là, même ceux qui sont encore à l'aéroport, puisqu'on ne l'a pas changé, c'est l'adjoint de Kalev qui est devenu à la place où Kalev était. Mais d'accord, mais où est-ce que vous voulez en venir? Je ne comprends pas. Là, je suis perdu. Non, Marius, je vous connais très intelligent. Vous savez ce que je suis en train de dire. Pas du tout. Je vous connais très, très intelligent. Si vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais très bien. Puisque je vous connais depuis votre faible commencement. D'accord, merci. Donc, d'accord, mais merci beaucoup. Écoutez d'abord, je ne comprends pas où est-ce que vous voulez en venir. Vous avez dit que quelqu'un qui est passé, qui a eu le cursus qu'il a eu au service secret... Dans les services secrets, ce n'est pas n'importe qui, c'est comme une loge mystique. Et vous avez également dit tout à l'heure au début
qu'étant donné qu'il est passé par là, il a le droit, enfin vous avez posé une question, pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir un passeport diplomatique? C'était diplomatique, hein? Oui, diplomatique. Oui, diplomatique. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas le droit? J'ai dit, qu'est-ce qui dit qu'il n'a pas le droit d'avoir un passeport diplomatique? Maintenant, toutes ces questions que vous nous posez, moi j'aimerais bien avoir des réponses à ces questions. Moi, ce que je veux savoir dans cette émission, qu'est-ce que cette arrestation particulière vous interpelle? Est-ce que c'est des signaux? Ou juste, comme vous dites, voilà, les gens veulent faire du théâtre? C'est l'impression que j'ai. Bon, oui, je vous connais intelligent et vous êtes en train de me comprendre en ligne, dans les lignes, ce que je suis en train de dire. Dites-nous la vérité, arrêtez de vous cacher. Ça ne veut rien, puisqu'on l'a interpellé. Mmh. Et puis, quelques temps après, il est parti chez lui. Et au moment où nous parlons, il est chez lui. Mmh. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas une arrestation, c'était une interpellation. Qui a dit qu'on devrait l'arrêter? Ok. De toute façon, il est déjà chez lui. Bon, je pense qu'on l'a retiré. Si c'était pour le passeport, donc on a retiré le passeport, puisqu'il a voyagé avec le même passeport par ce même aéroport. Si c'est le passeport. Ok, bon, je voulais seulement. C'était juste une réflexion. Donc, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Elles vont sûrement nous permettre de réfléchir. Merci énormément, monsieur Chrysostome. Bonne soirée. Je te connais très bien, Marius, très bien. Le faible commencement. Ah oui. Mais j'ai pas commencé à TKM. J'ai commencé à Moi, j'étais connu là-bas. J'ai commencé à Kikuit à la radio Tomissa. Voilà, je te voyais venir là-bas. Tu arranges, tu viens d'un reportage, tu arranges l'histoire, tu mets en ordre et vite tu repars. Je te connais très bien. Oh là là, on sait jamais. Mais merci, on est quand même fiers de te voir comme ça, et ça nous fait plaisir. Merci, monsieur Chrysostome. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Ok, merci. Mais seulement le problème, monsieur Chrysostome. Allô? Oui. Je suis content de voir quelqu'un qui m'a vu commencer. Je suis vraiment content. Mais. Méfiez-vous, je ne suis plus la personne. Je te connais très bien. Je ne suis pas la personne que vous avez connue il y a 15 ans. J'ai 15 ans de plus. Oui, je trouve que c'est le même Marius que j'ai connu. Merci beaucoup. Oui. Allez. Bien éduqué, ne cherche jamais à blesser quelqu'un, est très poli. Je te connais. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ok, à vous autant. Merci, au revoir. On va retourner en Afrique. Allô? Allô? Apparemment, les appels d'Afrique ont du mal à... On va prendre le tout dernier appel de l'émission d'aujourd'hui avant de nous dire au revoir. Comme ça, je pourrais peut-être me reposer un tout petit peu. Ouais. Allô? Voilà. Aaron Sony, non. Merci, c'est l'Afrique du Sud. Allô? Allô? Bonsoir. 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 Allô? Monsieur, bonsoir. Baissez le volume de votre récepteur. On vous écoute très bien. Parce qu'il y a un retard. Il y a un retard entre le téléphone et le récepteur. Je m'appelle Hubert, j'appelle de l'Afrique du Sud. Comment vous allez? Je vais bien, monsieur. Enfin, ça va aller, monsieur Hubert. Ça va aller. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que nos frères de l'FCC, ils veulent penser que le Kabylie continue à être là au pouvoir. Comment ça? Nous, on ne passe pas des aéroports internationaux, on fuit tout le monde. Et vous ne pouvez pas vous permettre de voyager sur un passeport diplomatique si vous ne travaillez, si vous n'êtes pas ministre. Si je ne m'amuse pas, si vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas président de la République, ou bien vous n'êtes pas un diplomate. Et si vous avez été fonctionnaire et que vous n'êtes plus en fonction pour le moment, vous ne pouvez pas continuer à garder les documents. Oui, et alors? Ce qui énerve, c'est que nos frères,
ils ne veulent pas penser qu'il y a un changement. Je pense que Caleb, c'est un Congolais. Et je pense que Caleb a fait son temps. Tous ces jeunes gens qui sont à l'université là, même Papa Nguanda, aujourd'hui, si on dit qu'il est là-bas, il est là-bas, il ne peut pas revenir au Congo pour le moment parce qu'il continue à ne pas avoir les documents qu'il avait au temps quand il était sur le gouvernement avec le président Mobutu. Mais alors, si on commence à implémenter, à mettre en place l'état de droit comme, l'état de droit comme on l'appelle, tout le monde doit être égal devant la loi. Si vous êtes président de la République et qu'il y a un contrôle, vous devez passer comme tout le monde. Et c'est ça l'état de droit. En tout cas, c'est ce que nous espérons pour notre pays dans les jours qui viennent. Ça fait partie de, des promesses de campagne du président de la République. On verra bien. Merci beaucoup, hein, Monsieur Hubert, pour votre appel. Pour votre appel. Merci, au revoir. Okay. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allô? Allô, allô? Voilà. Oh, Monsieur Hubert, c'était même le tout dernier appel de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup hein, à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est un sujet qui fera couler beaucoup d'encre, comme nous l'a dit tout à l'heure notre ami Thierry Kambundi. En tout cas, le temps nous dira si ce qui se passe aujourd'hui sont des signes de changement de l'état de droit que le président de la République a promis, ou c'est juste des choses, des parcours, des choses qui se passent, qui peut-être peuvent amener à un changement ou pas, ou des incidents de parcours, ou voilà, on verra bien. En tout cas, les jours qui viennent nous en diront un peu plus. On va continuer à regarder de très près comment les choses changent en République démocratique du Congo. Vous savez que cette émission vous appartient. D'ailleurs, cette émission existe parce que vous existez, simplement parce que la grande partie de cette émission est consacrée à vous. Nous vous donnons la parole pour vous exprimer sur le sujet du jour. Si c'est pour la première fois que vous vous joignez à nous, nous vous disons merci d'avoir passé ce temps avec nous. Nous sommes en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, à partir de 16h de Washington DC, où je vous présente cette émission, d'où je vous présente l'émission, d'où la Maison Blanche derrière. 22h de Paris, 22h de Bruxelles, 22h de Kinshasa, 21h en temps universel. Faites des calculs par rapport à l'heure de chez vous. Seulement, la meilleure façon de savoir que nous sommes en direct, c'est seulement si vous êtes un abonné. Abonnez-vous à notre chaîne, Marius Mohunga TV. Et quand vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté. Cette cloche vous permettra, au fait, d'activer des notifications qui vous diront à chaque fois que nous serons en direct. Et comme ça, vous ne pourriez manquer aucune de nos émissions. En tout cas, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent chaque jour et nous permettent d'être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi, peut-être demain, si l'actualité nous le permet. Abonnez-vous, comme ça vous saurez. Merci pour vos encouragements sur le mur. Je vous retrouve, en tout cas, j'essaie que j'irai mieux vendredi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, je m'appelle Marius Mohunga. Just in case. Bonne soirée. Au revoir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.